Raphaël Blanchard cultive une quarantaine de variétés de légumes et quelques fruits. La totalité de sa production, il la vend sans intermédiaire, directement aux consommateurs. On est une petite structure avec des petites quantités de production. Donc l'exploitation ne permet pas de livrer du gros et puis de fournir des gros volumes. Raphaël Blanchard est présent sur le marché d'Aisnay, mais vend aussi sa production sur son exploitation 2 jours par semaine. Depuis 2 ans, il a intégré un autre réseau, la Ruche qui dit oui, une plateforme internet qui permet de commander auprès de plusieurs producteurs locaux en même temps et de venir chercher tous ces produits en une seule fois dans un lieu et un créneau horaire déterminé. Et l'avantage, ouais, c'est qu'on revient toujours à vide. On sait que tous les légumes qu'on va emmener sur la distribution à la ruche, tout est vendu à l'avance. Ouais. C'est plus intéressant, ça limite nos pertes. Ouais. Et depuis quelques mois, c'est au Sable d'Olonne que Raphaël Blanchard vient livrer ses commandes dans la gare de la ville. Un partenariat a été trouvé entre la ruche qui dit oui et la SNCF. Ici, pendant 2 heures, les clients viennent donc chercher leurs commandes. Chaque mercredi, ils sont une quarantaine. On sait la provenance des produits, donc c'est tout bénéfique pour nous. Le tarif n'est pas forcément plus élevé qu'en supermarché ou que dans d'autres marchés, donc même le budget est respecté. Ce système a un coût tout de même pour les producteurs. 16% de leur chiffre d'affaires est reversé au site internet et aux responsables de la ruche. Tous ces transits d'argent entre nos poches de consommateurs et la poche du producteur, il faut bien le réguler. Et inversement, puisque si le producteur n'a pas apporté le produit qui correspond, le consommateur est remboursé. Donc il faut bien des gens derrière ça. Le département a compté jusqu'à une dizaine de ruches en activité. Aujourd'hui, 6 sont en fonctionnement et leurs responsables aimeraient les développer. Mais ils doivent faire face au manque de producteurs, notamment de lait ou de viande. Ils sont un petit peu appris par des crédits et tout ça. Ils n'ont pas d'infrastructure pour pouvoir faire de la vente directe sur place. Il faudrait qu'ils se rassemblent peut-être tous les uns les autres, quoi. Je pense qu'il y a une clientèle maintenant qui est demandeuse. Les membres des ruches appellent donc à repenser le lien entre producteurs et consommateurs. Selon une récente étude, plus de 70% de la viande, des fruits ou des légumes restent achetés dans les supermarchés.